Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Transport Fever pour une nouvelle vidéo et une nouvelle Custom Station. Alors on s'éloigne vraiment vraiment beaucoup de ce qu'on a vu donc la dernière fois, puisqu'on n'est pas du tout sur une gare TGV comme vous pouvez le voir. On est sur une énorme place avec cette gare, gare mise souterraine, gare un peu encastrée. Alors c'est une gare donc de RER qui se trouve encerclée au milieu donc de ces tours en fait, comme vous pouvez voir. Une gare à très fort trafic. On a un RER toutes les 90 secondes il me semble qui passe. Une belle gare 100% fonctionnelle cette fois comparé à la précédente. Comme vous pouvez voir, on voit les gens qui déambulent à l'intérieur de la gare, à l'extérieur, sur la place. Tout est fonctionnel dans cette gare. Vous voyez là les escaliers. Bon, il n'y a personne qui monte, on n'a pas de chance. Là non, là il y a quelqu'un qui monte. Vous voyez, bon, tout est fonctionnel sur cette gare. Les escaliers marchent. Tout est parfait. Là vous voyez, on a le petit téléphérique qui passe avec, avec ces quelques personnes. Bon alors, cette gare elle est dans un contexte assez... Enfin elle est toute seule en fait, vraiment. On peut voir globalement, il n'y a rien autour. Mais c'était vraiment une gare que j'ai faite un peu sur un coup de tête. Parce que je voulais justement... J'avais l'idée de créer cet esprit vraiment très urbain comme gare. Mais bon, je savais pas trop comment m'y prendre. Mais voilà. Comme ça c'est fait. Une belle gare RER au centre. Alors initialement j'avais même un projet de faire une énorme mégalopole. Une énorme mégapole même plutôt. Mais bon, je suis pas allé au bout de mon truc. Comme beaucoup de projets sur Transport Fever que j'ai, en fait, j'ai des idées, mais qui sont un peu trop gigantesques, on va dire. Disons que bah, je m'imagine pouvoir faire une énorme ville entière, full custom et tout. Mais ça prend un temps juste inconsidéré, quoi. Enfin, c'est beaucoup trop long à faire. Et surtout, souvent, j'ai pas le courage, je lâche avant, avant d'avoir fini. Vous voyez donc l'RER qui bascule et tout. Beaucoup de monde. Ça c'est quelque chose que j'ai voulu faire, que j'ai ajouté donc à l'instant. Beaucoup de monde qui déambule sur cette place. Quelques voitures aussi. Ça c'est toujours cool de voir un peu d'animation sur tous les plans. Et en soi j'ai pas grand chose à dire. Très géométrique cette place. On voit bon, globalement donc c'est un ovale. Un ovale qui, bah, simplement, qui comporte des formes géométriques avec des sortes de, comment on dit ça, des pelouses fermées par des haies, très peu d'arbres. J'ai fait le choix de ne pas mettre d'arbres sur les pelouses pour que ça reste très, on va dire, enfin, ça fasse vide, un effet de vide, mais de, aussi de grande, enfin, de la zone, du coup, elle paraît très large. Elle est peu occupée, on va dire. Quelques parkings. Bah, de toute façon, ça se voit, ça parle par elle-même. Et donc, tous les chemins tracés. Tout est fonctionnel, je pense qu'on le voit. Il y a des personnes à peu près sur tous les chemins de notre place. Donc ça, c'est très cool. C'est quelque chose de vraiment pas compliqué à faire en soi. Surtout, bon, si là, je le savais déjà, mais... En fait, derrière, il faut savoir que c'est des routes, donc vous avez juste des routes, des rues piétonnes qui sont en dessous et qui sont simplement bah, recouvertes par cette, ce bloc, en fait, orange, damier avec un... J'aime bien le logo, enfin le design est sympa, ça fait très bah, rue piétonne, en fait, finalement. À quelques endroits, vous voyez, ici, on a donc ces pavés roses. Bon, malheureusement, les bancs sont pas fonctionnels, mais sinon, le reste l'est. Et après, bah, globalement, c'est assez simple. Principalement pour les modes, bah, beaucoup, vous voyez, c'est ce mode, j'en parle, ça va être le mode clé pour tous les custom builds que je fais. Ce mode qui me permet donc de placer ces blocs là, enfin, c'est le mode de Geoffrey qui s'appelle Bridge and Viaduct. Enfin, je sais plus trop, le mode est dispo uniquement sur le Steam, pas sur le Steam Workshop, pardon, justement, uniquement sur transportfever.net. Mais pour moi, si vous voulez vous amuser à faire un peu de design, un peu de choses belles, on va dire, et bah c'est juste un must-have. C'est un mode, vous pouvez pas passer à côté parce qu'il est trop... Enfin, il donne accès à tellement de choses. Il va vous permettre de faire vraiment tout ce que vous voulez, quoi. Vous pouvez faire même
des bâtiments avec. Bon, même si le rendu est souvent pas terrible terrible, mais complet, enfin couplé à quelques autres modes, ça peut vraiment donner quelque chose de bien. Aussi, donc oui, bon, forcément, si vous connaissez un peu les modes, un autre mode vraiment central pour la construction donc de cette gare, c'est le mode de station allemande, German Station, donc, puisqu'en fait, c'est lui qui m'a permis d'avoir accès à l'ensemble des du vert, en fait, des parties en vert. Vous voyez, bon, bah, quand il y a un train en dessous, c'est un peu buggé, un peu glitché. On voit, enfin, les couleurs sont pas altérées, enfin, c'est un peu, mais ça rend bien hein, globalement. On voit les trains qui déambulent à travers, beaucoup de déambulation. Mais vraiment un mode très 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 important. J'ai voulu faire comme ça cet aspect très 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 vitré, voire presque un peu futuriste dans la gare elle-même. Même si, bon, en soi, il y a rien d'exceptionnel. Le petit plus, j'adore ces téléphériques là. Je me suis dit, il faut absolument que j'exploite ce mode. C'est un mode qui était déjà sorti sur Transport Fever 1, mais vraiment, enfin, que j'avais pas vraiment exploité. Et là, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire? Et donc là encore, si on regarde les stations, c'est des stations qui sont full custom, puisqu'on a en gros les stations de base, c'est pas là qu'il faut que j'aille regarder. Ici, ils font demi-tour, c'est de l'autre côté. Voilà, les stations de base, en gros, ça correspond à ça. Donc là, à côté, on a un dépôt, et là, on a le turn. Et donc là, hop, elles sont totalement décorées autour, avec un peu de German Station. Tout ce qui est vitre, encore une fois, les escaliers, c'est les escaliers. Ah non, j'ai replacé les escaliers dessus. Plus tout le décor là pour avoir l'aspect noir et ici pour avoir l'aspect blanc. Ça fait des stations que je trouve sympa. C'est quand même mieux que d'avoir les stations de base. Donc j'étais très content de pouvoir les faire. Sinon, bon, en soi, il n'y a pas grand chose. Donc. Pour info, s'il y en a qui sont intéressés pour faire ça, derrière, comment est-ce que j'ai réussi à avoir autant de personnes qui bougent et qui bougent à travers les pots de fleurs? Eh bien, c'est grâce au mode de bâtiment, en fait, au mode de bâtiment. Ici, on peut choisir, par exemple, vous voyez, là, j'ai mis une route, donc c'est ça qui m'a permis d'avoir les voitures, mais je peux enlever la route et donc là, j'ai une... c'est une poubelle, je crois, c'est ça, c'est une poubelle. Et en gros, cette poubelle, elle contient, elle égale à une maison en fait. Donc là, une maison qui a 200 de capacité, enfin une industrie 200 de capacité ici. Vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Ah, on peut faire un petit tour à l'intérieur aussi. Bon, alors là, je vais être obligé de passer par ça. Hop, voilà. Donc ici, on est tranquillement à l'intérieur de la gare. Donc, alors malheureusement, j'ai raté mon coup. Bon, ça se voit pas, on n'aura pas le temps là, mais les quais font 200 mètres tout pile. Les quais font 200 mètres tout pile, et donc en fait, bah, les doubles rames, comme il y en a quelques-unes, dépassent en fait simplement. Donc, ça, c'est le petit bémol, on va dire, de cette gare. Mais du coup, il y a quelques rames simples qui circulent aussi. Enfin, j'ai mis 2-3 RER, RER A, RER C, en Z, EN et RER B. Je sais plus leur nom. Bon, là, c'est un peu violent la transition. J'ai dû changer ça aussi, malheureusement. Ça fait partie des petites choses que j'ai mal calculées. Mais bon, ça va. Ça, c'est pas souvent. Si c'est choquant, la transition là est vraiment sale. Mais c'est juste que j'étais pas le choix. Sinon, ils voulaient pas passer en tunnel. Ça, c'est la magie du jeu. Même si vous pouvez mettre un tunnel, donc ça c'est un mode aussi qui me permet donc de mettre un tunnel de base. S'il était à plat en fait, une entrée à plate, et bah malheureusement le jeu n'est pas d'accord avec ça. Et d'ailleurs il voulait pas que je prolonge. Là aussi il y a du monde, c'est exactement comme je voulais. Bon, là hop, on a l'arrivée d'une petite rame. Ah, bah, d'ailleurs c'est ma rame simple bleu, voilà exactement, c'est ma rame simple. Comme je vous l'ai dit, donc celle-là elle rentre bien à quai. Rame de RER, de Z, de N. Je dis RERC parce que moi je les connais principalement sous le pavillon du RERC. Je crois que pas les 5 caisses d'ailleurs. Uniquement sur le RERD, il me semble. Enfin, toujours magnifique. Ce mode est incroyable. Franchement, je pense que c'est en termes de qualité visuelle, c'est déjà incroyable. Et audio aussi, c'est l'un des meilleurs modes du workshop, en tout cas pour le français. Chacun son avis évidemment. Chacun ses fans d'un des trains. Bon bah écoutez, en fait j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. On a fait le tour globalement de cette zone. Hop.
cette zone qui mine de rien est pas grande, hein, vraiment pas grande. Je vous laisse sur quelques cinématiques que j'ai prises tranquillement, vous en avez au début aussi. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ouais, là je vous dis c'est trop, le cas est trop court, malheureusement. Et du coup moi je vous laisse sur quelques cinématiques et je vous donne rendez-vous à la prochaine pour continuer, pour aller vers de nouvelles constructions, une custom station, la suite du design. Le sud, peut-être pas, je sais pas. Non, j'ai enfin renoué le contact un peu avec le sud, donc j'ai joué quelques minutes, revoir un peu. Donc ça peut-être que ça va arriver un jour, mais je garantis rien. Allez, sur ce, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine. Allez, ciao.